Ce prologue évoque un classique du cinéma, mais nous aurions pu nous inspirer d'un autre grand film, ou encore d'un autre. Souvent, la fiction anticipe la réalité. Avant-guerre, Nikola Tesla avait mis au point un véhicule électrique qui se déplaçait en utilisant l'énergie libre. En 1943, on l'a retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel de New York. Toutes ses recherches furent confisquées par le FBI. En 1948, grâce à la théorie quantique des champs et en totale violation des lois de la thermodynamique, le physicien Hendrik Casimir prédit l'existence d'un réservoir infini d'énergie dans le vide. En 1958, une première preuve expérimentale de la validité de cette théorie est apportée. En 1997, Spartney puis Lamoureux réalisent l'expérimentation qui valide scientifiquement l'effet Casimir. Travaillant sur un procédé de chauffage, un chercheur ardéchois autodidacte, Jean-Christophe Dumas, a exploré cet effet en relation avec la résonance de l'eau. Il découvre un procédé générateur spontané de vapeur aux caractéristiques singulières. Ça consiste en quoi? Une sphère, on peut le toucher? Oui. Je pense qu'il y a dû refroidir. Voilà. Donc, deux... Il y a une demi-sphère sur le haut, donc une sphère sur le bas, un mécanisme à l'intérieur de ma fabrication. D'accord. Et le reste, c'est des supports et des raccordements électriques. Donc voilà, je vais le mettre dans un saladier en verre tout simple. Voilà. Donc il faut savoir que oui, il n'y a pas assez d'eau. Voilà, on y est. Et puis là, 115%, donc on est sur un rendement supérieur à 1, donc en parfaite contradiction avec les lois de la thermodynamique. Et si on coupe l'appareil? Ça s'arrête instantanément. Et l'eau? Et je vais débrancher. Je vais débrancher. Donc l'appareil, il n'est pas chaud. Hein. Il est même froid. Donc si l'appareil avait chauffé pour vaporiser l'eau, et il fume encore, ma main resterait collée, parce qu'il aurait chauffé à plus de 200 degrés pour vaporiser de l'eau aussi vite. Et là, on peut aisément plonger sa main dans l'eau, elle est toujours froide. Donc on n'a dégagé aucune chaleur, on a vaporisé de l'eau instantanément. Et on peut la faire bouillir de la même façon si je laisse l'appareil d'une façon prolongée dans l'eau. L'effet Dumas est expertisé à Nice par un laboratoire indépendant le 14 septembre 2013. Les conclusions du rapport sont édifiantes. À l'instar de l'effet Casimir, l'effet Dumas génère un rendement de 116%. Pour la première fois, un procédé simple, facile à concevoir et très peu coûteux, permet à tous un accès à l'énergie libre. Donc là voilà, c'est la conclusion du rapport d'expertise. Hein. Je ne vais pas mettre tout le rapport qui est par terre. Je vais mettre simplement la conclusion. Donc on a cassé la deuxième loi de la thermodynamique, la loi de la conservation de l'énergie. Maintenant je mets au défi n'importe quel physicien de démontrer le contraire. Bon alors, ton résonateur réacteur à fusion froide, là, moi j'y connais rien, je suis pas un technicien. Tu peux m'apprendre à en faire un? Aucun problème, Pierre. Si tu veux, on s'y colle tout de suite. Ça va être long? Bon, t'as 10 minutes à m'accorder? 10 minutes. Et 10 euros, tu m'as dit. Oui, 10 euros pour le matériel de base. Hein. 10 euros, 10 minutes, on y va. Alors Jean-Christophe, explique-nous comment on fabrique cet appareil. Eh bien, Pierre-Antoine, c'est très simple. On se procure tout d'abord une sphère métallique. Alors ça peut être une boule de pétanque de creuse, de fabrication chinoise. Ou alors, ça peut être un jouet pour enfant. Voilà, une boule de Noël. Du moment qu'elle est en fer blanc métallique et que le métal est conducteur, ça marche. D'accord. Donc on peut utiliser une coupe à glace, du moment que le conducteur est là. Et toi, tu as utilisé? Écoute, c'est des sphères en métal que j'ai récupérées dans des accessoires de glacier. D'accord, voilà. Donc j'en ai soudé deux ensemble,
Et j'en ai pris une troisième, donc, pour faire la coupelle supérieure, que j'ai percée avec des trous. Tout simplement, une petite perceuse et un petit forat. Donc, vraiment rien d'extraordinaire. Un trou central et un pas de vis soudé sur la sphère. Donc, tout ça, c'est un peu de soudure. Hein. Un joint d'environ 2 mm, joint caoutchouc, qui vient se poser juste sur la vis. Et on isole la vis avec un morceau de plastique. Donc ça, c'est un petit bout de tube de colle que j'ai découpé. Parce que ce montage va nous permettre donc de calibrer l'écartement entre la coupelle supérieure et la sphère. Donc cet écartement, dans l'idéal, devrait correspondre au nombre d'or. Si on arrive à 3 mm d'écartement entre la coupelle supérieure et la sphère, ça ne marche plus. Si on fait 0,5 mm, ça va faire sauter les plombs. Par contre, si on respecte les cotes du nombre d'or, dans l'écartement, bon, ça ne peut pas être parfait, mais s'en rapprocher au maximum, et bien là, les rendements deviennent exponentiels. Et donc, ton réacteur à fusion froide fonctionne? Oui. D'accord. Et dégage un excédent d'énergie. Okay. Alors, les branchements. Donc, on a en électricité, hein, c'est du courant alternatif, donc il y a une phase et un neutre. Donc on met toujours le premier branchement en premier, vers le haut de la vis, et le deuxième branchement sous la rondelle. Donc voilà, on a déjà notre premier branchement. Et là maintenant, on va simplement glisser le deuxième branchement sous la rondelle plastique. Donc évidemment, la vis centrale est isolée, l'axe central est isolé, et on met un tour de clé pour faire tenir tout ça. Donc si tu me tiens bien, on va serrer au maximum. Voilà. Et on vient de construire un réacteur à fusion froide. Donc on va vérifier les écartements, voir si tout va bien. Bon, c'est un petit peu bougé, c'est pas parfait, parfait. Dans l'idéal, de toute façon, tous ceux qui vont le monter, il y en a qui le font sûrement mieux que moi. Donc l'écartement est bon. Ce que je propose, c'est de prendre ce petit appareil qu'on vient de fabriquer en 10 minutes et de le tester. Et ben allons. Allez. Et voilà, ça marche. Voilà. Et alors, il y a un effet vibratoire. Et il y a un effet vibratoire. Voilà. Alors pourquoi cette conférence de presse le 7 avril en présence de personnalités, de journalistes, d'écologistes, de savants? Quel était l'objectif de cette action de communication? L'objectif de cette action de communication, c'est avant tout de diffuser une technologie. Une technologie qui soit une technologie bienveillante, qui ne fasse pas de dégâts dans l'environnement, qui ne fasse pas de dégâts économiques, qu'on ne soit pas obligé d'envahir des pays entiers pour aller piquer une ressource. Là, la ressource, elle est dans le vide. Elle surgit du néant, la ressource. Et c'est ça, le truc. Si on veut sortir de la pagaille dans laquelle l'humanité est aujourd'hui, c'est la seule solution possible. Peut-être pas avec moi, peut-être avec d'autres. Vous ferez ce que vous voudrez, moi je pars en vacances après. Pourquoi donc avoir fait le choix d'offrir cette invention à tous les citoyens de la Terre? Parce que si on traîne trop, de terre, il n'y en aura plus. De citoyens, il n'y en aura plus non plus. Hein, parce que parti comme c'est, on n'est pas en train de monter vers le nirvana, on est plutôt en train de descendre en enfer. Donc moi, je n'ai pas spécialement envie d'y aller. Ni moi, ni mes enfants, ni les gens que j'aime, ni l'humanité que finalement j'aime. Mais alors, il y a du boulot. Ne crains-tu pas que cette invention fasse de l'ombre à certaines puissances énergétiques qui pourraient prendre en grippe ce procédé? Et ne crois-tu pas que le pétrole fait de l'ombre à toute l'humanité? Le nucléaire fait de l'ombre à toute l'humanité? Il y a un moment, il faut leur dire non à ces gens-là. Moi, j'ai pas les moyens de leur dire non. Ce que je peux faire, c'est me mettre devant ma caméra et intellectuellement envoyer une idée. Parce que les idées, c'est à l'épreuve des balles. Ne crains-tu pas pour ta vie
avec cette invention. Mais de toute façon, de vie, c'est qu'une question de temps, parce que on va vivre combien de temps, hein, jusqu'à ce qu'ils nous mettent une guerre, parce qu'on est trop nombreux. Donc ma vie, c'est qu'un compte à rebours vers l'inéluctable, de toute façon. Donc je me fous éperdument hein, de ce qu'ils peuvent me faire. Éperdument. Il y a deux choses qu'ils ne pourront pas me faire, c'est m'acheter et me faire peur. Merci Jean-Christophe. Merci à toi Pierre.